Hello, hello et bienvenue à toi pour assister à la conclusion de cet épisode, on va dire magique, cette aventure exceptionnelle sur Pokémon Bouclier. Eh bien, je suis heureux de pouvoir justement faire ce finish avec vous. Enfin, la réalisation, on va dire, première d'un let's play, puisque vous le savez certainement, lorsqu'il m'arrivait de faire quelques let's play, je reviens encore là-dessus, eh bien, il m'était très pénible et difficile d'aller jusqu'au bout. Soit parce que je n'avais plus le temps et que le travail prenait le dessus, soit simplement l'envie n'y était pas, mais ici, grâce à Pokémon notamment, eh bien, on a su aller jusqu'au bout des choses. Et je suis heureux de pouvoir justement vous faire part de cette conclusion en beauté, le début d'une longue série. Et donc pour un jeu qui me motive autant que Pokémon, l'aventure ne s'arrête pas là. Vous allez assister par la suite au combat Pokémon, puisqu'il est évidemment de ma patte artistique, on va dire, si je puis m'exprimer ainsi, de faire des vidéos commentées avec l'ambiance façon Pokémon. Pour ceux ou celles qui se rappellent de la série, eh bien on va créer une ambiance autour de ça et faire des combats en ligne énormes. Que ce soit en solo ou en double, on va essayer de vous vendre du rêve, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, parce que, eh oui, je ne suis pas un pro-gamer dans le domaine. Et donc on va apprendre ensemble, mais tout ça dans une ambiance Pokémon stade de folie. Pokémon Stade, je pense à Pokémon Stadium, c'est un terme que je vais peut-être utiliser pour renommer les épisodes lorsque l'on combattra en ligne. On nommera cette série Pokémon Stadium, en tout cas bouclier pour ce qui est évidemment de cette version. Et ça sera des combats en ligne, bien entendu. Place à l'aventure, on va finaliser tout ça, je l'espère, en beauté. Voilà, c'est parti pour la conclusion donc. Allez, sans trop tarder, on va y aller. On va aller rejoindre, eh bien, cette arène. On va y aller à pied parce qu'on a envie de marcher, parce que c'est bien de faire un peu de sport. Parfait, parfait. Et voilà, c'est le moment d'aller chercher le Graal. On va être la crème de la crème. On va aller trouver le sacre, l'arracher des mains de Tarak. C'est ce qu'on espère. Et je vais faire un petit tour sur l'équipe qui va composer, eh bien, le Panthéon, qui va être repris dans le Panthéon. Je suppose qu'il y a un système de Panthéon à la fin de du Graal ultime. Au terme du Graal ultime. Enfin, à l'arrivée. L'obtention du Graal ultime, devrais-je dire. Donc ici, nous avons Dratatin, nous avons fait peau neuve, puisque notre starter de base, qui était Gorythmique, eh bien, était un peu trop juste, donc on l'a remplacé par Dratatin. On a Korbach, qui a rejoint juste avant Dratatin, mais c'est bien ça. C'est un nouveau venu, Dratatin, pour le coup. Korbach, c'était le nouveau venu de dernier épisode, avec Lansaurien ici. Angoliath qui est toujours là, un Téléon qui nous a rejoint, c'est les Argus en français. Et enfin Cinderace qui aussi va composer eh bien, notre équipe. C'est parti donc pour le grand final. Voilà la réception. Et tu sais quoi? J'étais le premier à m'inscrire. Le premier. Tu crois que c'est un signe ça? Moi ouais. Premier inscrit, premier sur le podium. Bon, ça on verra. C'est pas aussi simple. Bienvenue Ultimate. Nous avons suivi votre performance tout au long du défi des arènes. Permettez-moi un instant de vérifier votre collection de badges. Et moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prêt pour... enfin, prêt à t'affronter. Ok. Par contre, je crois que Trévis ne sera pas de la partie. Enfin, ça reste à voir. Hein. Quelque chose me dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. On verra bien. Viens, nous allons poser nos affaires au vestiaire. C'est parti donc pour ce finish. Les challengers qui ont réussi le défi des arènes face aux champions participent au tournoi des médaillés.
Si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez donc vous rendre sur le terrain du stade. Et c'est ce qu'on va faire. Pour assister à l'événement final. Oh là là là, la pression monte, chers amis. C'est parti. Et on va, voilà, on va pénétrer dans ce stade mythique de Winscore. Et notre premier adversaire, eh bien, ce sera Rosemary. Oh, je savais que tu raflais tous les badges et qu'on se retrouvait ici. À la base, je me suis inscrite au défi pour mon frère et pour Smashing. Mais au final, c'est surtout pour moi-même. J'ai envie de devenir maître, d'accord? Donc ton équipe et toi, je vais vous remballer presto. Enfin, gentiment quand même, hein? Allez, que le meilleur gagne. Rosemary contre Ultimate. Place à l'action. Et c'est parti pour ce premier combat des arènes. Le stadium qui est en folie. Premier Pokémon choisi par Rosemary. C'est le Léopardus, c'est bien ça. Le Dynamax qui est prêt à rentrer en action. C'est parti donc pour ce duel. Là, je vais te battre et devenir maître. Oh là 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 là, le public est en folie. Place donc à l'action. Dratata qui va lancer la première attaque. C'est parti pour donc... Ouh, la machination, question de se booster sur le plan spécial du côté de Léopardus. Et on se booste de deux crans, s'il vous plaît, au niveau de l'attaque spéciale. C'est parti pour Dratata, qui va utiliser Dracochoc avec le Stab Drago. C'est parti pour les dégâts. Ah, les dégâts qui sont énormes, c'est le premier KO ici. Dès l'entame de match, Ultimate prend l'avance avec une attaque super puissante de son Dratata. Le public est en folie et on entend scander le nom d'Ultimate. Et tout cela en public. Coatox qui va faire son apparition ici. Pour peut-être pouvoir faire mal au type plante de Dratata. Et là, que nous réserve le Challenger Ultimate contre Coatox. Et ce sera Korbach qui va faire son apparition pour pouvoir justement affronter Coatox. Ah, c'est un avantage du type, hein, ici à l'avantage Ultimate. Que va-t-il proposer ici comme stratégie pour venir à bout de son adversaire? Probablement qu'il va frapper évidemment avec Rapace sur la faiblesse combat, eh bien, sur le type combat, pardon, de Coatox. Et c'est super efficace le KO en un coup en plus, eh bien, de ce Korbach, hein, super, de ce Corvallius super entraîné. C'est un KO direct sans surprise. C'est un 2-0 pointé là, à l'avantage évidemment d'Ultimate qui a surentraîné ses Pokémon. Et ça, c'est la classe. Morpeko qui va faire son apparition ici. Est-ce qu'Ultimate va rester sur son Pokémon Corvallius qui alors sera désavantagé, pardon, pour le coup. Ah oui, évidemment, sans surprise, il va retirer son Corvallius pour envoyer donc en Goliath. Un Pokémon de type ténèbre, effet pour rappel. Et Morpeko qui est là, donc Pokémon de type électrique et ténèbre. Il ne manque pas, c'est sûr. On va dire deux piquants hein, en ce qui concerne la personnalité de Morpeko qui change au fur et à mesure. Il attaque en premier avec Étincelle, la paralysie derrière. Est-ce qu'Angoliath va pouvoir réaliser? Non! La paralysie qui a eu raison de lui. Attention, l'objet reste tenu par Angoliath, lui permet de récupérer un peu de sa vie. Hello Rafou, comment va? Là, tu assistes à un combat dantesque. Ici, on est au final, au stade de Winscore, pour assister ici aux challengers qui ont été qualifiés au défi des arènes. Et là, attention pour la tourmente. Oh, la paralysie qui est toujours présente et qui empêche Angoliath ici de pouvoir frapper le Morpeko de Rosemary qui récupère son stade initial. Allez, on sait très bien qu'il suffira à Angoliath d'une seule attaque pour mettre à terre
Le Morpeko, et c'est ce qui va faire Kalinri qui touche. Malgré le peu de précision, je le rappelle, cette attaque n'a que 90 de précision. Et c'est le KO en un coup sur Morpeko. Eh bien, puisqu'on frappe avec une attaque de type fée sur la faiblesse, Ténèbres, eh bien, en plus du niveau d'Angoliath qui est surélevé, surentraîné, cela laisse que très peu de chances de survie au Morpeko de Rosemary. Attention, Bagaïde qui va faire son apparition. Est-ce que notre challenger Ultimate va-t-il changer de Pokémon? Et non, il va donc rester sur Angoliath. Et Bagaïde, qui est de type à ténèbres et combat, va faire son apparition. Est-ce que c'est un peu trop présomptueux de la part de Rosemary de se présenter avec un Pokémon qui, eh bien, sur l'attaque de type fée, sur une attaque de type fée, va prendre plus 4, x 4 plutôt, en termes de dégâts. Mais n'oublions pas que la tourmente fait effet, ce qui empêche évidemment Angoliath de pouvoir évidemment utiliser des attaques à plusieurs reprises. Ces derniers utilisent Gonflette de manière à booster d'un cran sur le plan, se booster d'un cran sur le plan de l'attaque physique ainsi que de sa défense. Et c'est parti, on va frapper avec Casse-Brique qui est stabé. Ouais, ici, Angoliath qui tient bien, qui résiste malgré la paralysie, avec son objet en plus de cela, son objet reste qui lui permet de récupérer un peu de vie. Toujours pas de Dynamax, de part et d'autre. Attention, encore Casse-Brique, oh, qui fait mal malgré tout. Et le Vampipoing qui va permettre ici de mettre le KO en un coup. Angoliath qui va en plus de cela récupérer un peu de vie. Et ce, il est là-dessus, c'est magnifique. Et c'est le KO, encore une fois, Ultimate, qui prend les devants sans surprise. Puisque c'est le favori des Challengers. Alors, il ne reste plus qu'un seul Pokémon du côté de Rosemary. Et là, c'est un carton plein, sans aucun chaos du côté d'Ultimate. C'est une victoire à sens unique. Attention, Angoliath contre Angoliath. Et là, c'est la team Yell qui est avec moi. Je vais gagner. Rosemary qui s'envole pour ce final. Attention, c'est un match miroir. Est-ce que ce sera l'Angoliath d'Ultimate qui fera donc office, qui sera simplement déclaré vainqueur, ou alors l'Angoliath de Rosemary? C'est parti donc pour l'utiliser, le Gigamax qui va faire son entrée en jeu. Et c'est parti pour Rosemary qui ne va pas tarder à passer aux choses sérieuses. Et la forme Dynamax. Ouh, la forme Gigamax, s'il vous plaît, d'Angoliath. Admirez cette classe. On passe aux choses sérieuses. C'est sûr que Rosemary veut conclure. Et voilà, c'est parti, c'est au tour ici d'Ultimate qui va lui aussi dévoiler la forme, cette fois Dynamax de son Angoliath. Rien à voir avec celle de Rosemary. Qui des deux, Angoliath aura raison de l'autre, on va le savoir. Et le stade est en folie, le combat monte encore d'un cran au niveau de la tension. Enchant Thomas, Max pardon, qui est lancé, c'est super efficace je suppose. Une attaque de type fée de cette ampleur ne peut qu'être super efficace. Et le champ féerique. Qui fait son apparition. Et c'est reparti pour Enchantomax. Juste après le champ féerique qui a été posé par Angoliath adverse. Qui va booster. En plus d'être super efficace. En plus du coup critique, s'il vous plaît. Tout y est. Tout. La saveur d'un combat Pokémon de premier rang. Et ici. Premier combat. Oh combien explosif, c'est le cas de le dire. Et victoire sans appel d'Ultimate. Qui va pouvoir, eh bien, fêter cela comme il se doit. Tu m'as mise une de ces raclées. J'avoue, tu te débrouilles. C'est donc une victoire pour Ultimate. Et les deux challengers vont donc se saluer. Ah, tu as vu un peu ça? Tout le monde nous regardait. C'est incroyable.
Et les cris de soutien des supporters, ça fait plaisir. Ah, j'ai perdu, ouais, mais bon, c'est la vie, quoi. Mais bon, on a grave mis le feu, hein, t'as vu? Moi, je dis, on a assuré. Je vais rejoindre mon frérot dans les gradins. J'ai hâte de voir qui terminera devant le maître. Faut que je me fasse une idée des autres challengers aussi, tu sais. Je sais pas encore qui je soutiens. Toi, peut-être? À voir. Ultimate! Rendez-vous au dernier round. J'ai maté ton combat. Je suis sûr de gagner. Tu peux pas test contre mon équipe. C'est ce qu'on verra, mon ami Nabil. Toutes mes excuses, mais... je sais que vous venez à peine de terminer votre combat, mais le combat précédent a tourné court. Le challenger Nabil a vaincu son adversaire à la vitesse de l'éclair. Donc, si vous pouviez regagner le terrain de combat au plus vite pour enchaîner, je vous prie. Ok, on va y aller. Hein. Oula! Est-ce que mes Pokémon sont soignés? Attendez. De toute façon, on a le... Ah, ils sont soignés automatiquement. Ok. Dratata, c'est un bon début. Et c'est reparti pour le deuxième round, ou plutôt, oulala, une confrontation historique entre deux amis, à savoir Nabil et Ultimate, qui vont s'affronter ici. Chacun des deux challengers ont été exceptionnels lorsqu'ils ont, eh oui, écrasé leur opposant au premier tour. Nous allons voir qui des deux challengers passera au rang suivant, de manière à pouvoir se rapprocher un peu plus du maître ultime, à savoir Tarak en personne. Tu te souviens? Quand on est parti de Paddockstone, le frangin venait tout juste de nous donner nos Pokémon et maintenant on est là, à deux doigts d'entrer dans l'histoire. Je m'étais promis de devenir le maître, tu sais, en partant. C'est le moment de vérité. Et c'est parti donc! Après quelques mots échangés, les deux opposants vont pouvoir se faire face. L'inspiration du moment du côté de Nabil. Nabil qui va faire l'entrée en jeu de son premier choix. Il s'agit de Moumouflon sans surprise, un Pokémon de type normal. Son fidèle Moumouflon. Et ce sera toujours Dratata pour ouvrir le bal du côté d'Ultimate. Dire que notre premier combat s'est passé chez moi dans le jardin, incroyable. Et ici, nous sommes au stade, je le rappelle, de Winscore pour assister à l'avènement, peut-être, de celui d'un nouveau maître. C'est parti pour Cotogarde, Mouflon qui, ici, va d'abord favoriser une défense augmentée sur le plan physique. Et de l'autre côté, Dratata va plutôt se booster en attaque spéciale d'un cran avec, évidemment, l'attaque croissance. Sur le prochain tour, promet d'être explosif, cher spectateur. La première attaque qui va être lancée, c'est plaquage du côté de Moumouflon. Attention à la paralysie, peut-être. Ah non, ce ne sera pas le cas. Et l'acide qui va être lancé, hein, l'attaque signature qui mettra à terre ici le Moumouflon. Première attaque, et c'est le chaos directement. Dratatin qui est surentraîné, c'est sûr. Et Grelocoque va lui permettre de récupérer un peu de vie. Attention, Nabil qui est déjà dans les cordes dès l'entrée en match. Corvanus qui va être envoyé. Le public est en folie. Que va choisir Ultimate comme Pokémon? Bon, évidemment, cette suite de combats épiques. Et ce sera évidemment sans surprise Pyrobut, un Pokémon de type feu. Pour faire face ici à Corvanus, le Pokémon, on va dire, exceptionnel, qui est de type acier et vol. Et la tension, voilà la tension, on ressent cette tension palpable de part et d'autre. Probablement que l'attaque ici qui sera proposée du côté d'Ultimate sera une attaque super efficace, donc de type feu. Le ballon brûlant qui va être lancé, admirez ce style, le stade y est adapté, eh oui, l'attaque qui fait bouche. Et c'est le chaos, une attaque surpuissante, et là, la réaction de Nabil. Et oui, toujours à profiter, eh bien, des attaques super efficaces. Ah, ça, c'est la spécialité ici d'Ultimate, ce dresseur qui, pour l'instant, régale tout le stade. Attention, c'est sans compter sur Nabil et son Ronflex qui va faire son apparition.
Et là, Nabil va donc devoir choisir son Pokémon à venir. Celui qui va lui permettre peut-être de reprendre l'ascendant sur ce match qui est mal embarqué pour l'instant. Et là, ici, c'est Ultimate qui choisit en Goliath. Et ici, du côté de Nabil, ce sera un Ronflex. Ah, il y a des choses grandes qui se préparent. Que va-t-il se passer? Est-ce que ce sera encore un KO en un coup? Immédiatement ou... Il y aura d'autres... Ouh, il y a une autre option ici. C'est son option préférée, à savoir Ultimate qui favorise ici un boost. Encore avec Gonflette hein, sur le plan aussi bien physique que au niveau de l'attaque physique d'un cran. Et ici, on résiste bien à l'eau, tacle lourd, mais ça fait mal. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça m'a aidé à analyser ta façon de combattre. On voit bien que Nabil a certainement lu un petit peu sur la stratégie de son ami d'enfance. Et là, probablement qu'on va assister à une attaque super efficace sur Ronflex avec le Vampipoing et le boost. Et là, le heal derrière, le KO, bien entendu. Une attaque super efficace d'une puissance redoutable. Et c'est le KO, évidemment, sur le Ronflex de Nabil. Ah, Nabil, il lui reste pas énormément de Pokémon. 3 Pokémon, si je ne m'abuse. Watapik, un Pokémon que l'on connaît très peu, mais qui est de type électrique, sans doute. C'est Angoliath qui va rester, évidemment, sur le terrain. Il va pouvoir profiter de son boost. Et là, évidemment, on ne parle pas d'attaque super efficace. Ah, il ne reste plus que 2 Pokémon, autant pour moi. Du côté donc ici, d'Ultimate, qui va certainement utiliser une attaque puissante, hein, avec le stab fait. Et c'est le KO en un coup, on voit qu'il y a un no match en termes de niveau. On voit, on sent hein, vraiment que les Pokémon d'Ultimate sont surentraînés, donc prêts à pouvoir peut-être côtoyer eh bien, les autres sphères, à savoir affronter peut-être le Grand Maître. Ça parle mal pour moi, ça part mal pour moi, mais j'ai pas dit mon dernier mot, ça, c'est ce que dit évidemment notre brave Nabil. Et il fait envoyer donc son fidèle, son dernier rempart, à savoir son fidèle Lézargus. Est-ce que Lézargus pourra ici peut-être permettre une victoire à son maître? Et on passe aux choses sérieuses. Étoile veut répondre à mon appel. Libère l'énergie Dynamax. Et l'entrée en jeu du dernier Pokémon qui va, sans surprise, Dynamaxer. C'est tout d'abord, eh bien, Nabil qui fait appel à son Lézargus en mode Dynamax. Ouais, admirez toute cette puissance, ce style. Et là, est-ce que Ultimate va suivre l'exemple? Eh oui, bien entendu, l'exemple de son ami d'enfance. Et à savoir, de passer aux choses sérieuses avec ici derrière, c'est sûr, le Dynamax du côté d'Angoliath. Angoliath qui va directement bénéficier des avantages ainsi que de la puissance qu'il faut. Notant que ce dernier s'est déjà boosté au préalable et donc en plus avec la forme Dynamax, ça risque d'être sérieux. C'est parti pour l'attaque Cryomax qui est lancée. Hein. Ce n'est pas un stab, un choix assez étrange hein, du côté de Nabil. La grêle qui fait son apparition hein, due à la puissante attaque qui a été lancée là. Et c'est parti en hein, Chantomax qui est un choix ici judicieux de frapper sur son stab. Une attaque de type fée, même si... Ce n'est pas super efficace. La puissance y est en plus du boost. Et oui, une brume qui va venir à créer évidemment ici le terrain idéal pour conclure à base de froid de par la grêle et à base de féerie proposée par Ultimate grâce au champ brumeux. C'est ce duel qui va donc se terminer par une victoire sans appel encore une fois d'Ultimate et ses Pokémon surentraînés. Ouch! Oh! Ha. Merci Ultimate. Je suis content qu'on ait pu la faire ensemble cette finale. L'affrontement des challengers! Eh oui, c'est votre orateur qui était là présent! L'affrontement des challengers ayant remporté le défi des arènes prend fin! Et la victoire du tournoi des médaillés revient donc sans surprise à Ultimate! Le favori! Tu te souviens quand Sonia nous disait qu'on deviendrait peut-être des héros? Peut-être, pour être honnête, en fait, je m'en suis jamais senti capable. Mais toi,
Tu vas accomplir de grandes choses, je le sens. Bravo à toi, Ultimate, et à Dratatin et toute ton équipe. Waouh! Ah bah, y a du monde, hein! Ultimate! Nabil, bravo! Oh, splendide combat! Franchement, j'ai été ému jusqu'aux larmes, tu sais. Quand je repense à tout ce que vous avez accompli tous les deux, vous venez du même village, vous avez construit des équipes formidables en partant de rien. Et vous venez de vous affronter en donnant tout. Cette soif de victoire, ce refus de baisser les bras, le spectacle qui nous avait offert, qui nous a été offert, c'est. C'est la quintessence même et l'essence même donc du combat Pokémon. Dire qu'il y avait des dresseurs qui doutaient de vous au début et qui refusaient de vous recommander. Ouais, genre toi quoi. T'as oublié ou quoi? Oh, ça va, hein. Je me comprends. Moi, je donne tout quand j'affronte un challenger. Et qui sait, peut-être que cette fois, le challenger sera Ultimate. En tout cas, je l'espère. Ouais, Ultimate. Bah écoute, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent en fait. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi, je suis vanné. Je rentrerai bien me reposer à l'hôtel. Il faut refaire le plein d'énergie avant. Tenez, je vais vous inviter au restaurant. Ouais, je me méfie avec toi. Ouais, pardon, mais t'as des goûts déplorables pour la nourriture. Donc t'es gentil, mais le resto, c'est moi qui le choisis, d'accord? Challenger Ultimate, Challenger Ultimate, un instant, je vous prie. J'aimerais vous poser quelques questions, si vous avez une minute à m'accorder. Tarak, le grand maître, a recommandé deux challengers cette année, Nabil et vous-même. Vous étiez donc rivaux, en quelque sorte. Comment vous sentez-vous après cette victoire? J'ai encore... On va être modeste, hein. J'ai encore du mal à réaliser. Ah, je vois. Qu'aimeriez-vous dire à Nabil en cet instant? Pour que la victoire soit plus belle, eh bien, il y a intérêt à trouver des qualités à son adversaire. Tu es un dresseur exceptionnel. Oh, ce respect que vous lui portez, même après la victoire, c'est assez émouvant, je dois dire. Et maintenant, est-ce que vous pensez être en mesure de remporter le tournoi des champions? Bien sûr que je le peux. Bon, à cette question-là, vous voyez bien qu'il est épuisé. Et vos questions, elles sont bien reloues, hein. On est pressé, là, mon frère nous attend. Donc, si vous voulez bien nous laisser passer, ce serait cool, merci. D'accord. Mais comprenez que tout Galar se passionne pour la naissance de cette nouvelle star, vous savez? Fiouf! Eh ben. Mais en fait, ça a l'air trop galère d'être célèbre. Hein. Enfin, je me demande bien où le frangin est passé maintenant encore. Oh, j'ai faim, moi! Quelques heures plus tard. Many years. Many, comment on dit encore en anglais? Many hours later. Il est super en retard, j'ai méga faim moi. Normalement, il tient toujours ses promesses, c'est quoi cette histoire? Exemple type, bah, il m'avait juré qu'il deviendrait maître. Bah, il a fait quoi. Enfin, voilà. J'aimerais bien qu'il prenne aussi les promesses de rester au sérieux quoi. Tu te calmes jamais en fait, hein, c'est ça? Si tu mettais autant d'énergie à te battre qu'à pester contre ton frère, hein, tu irais loin. Ça va, merci, hein, je suis au courant là. Mais t'es plutôt mal placé pour me donner des leçons, Peterson, tu sais. T'as vu ta dégaine ou quoi? Eh, si tu juges les gens sur leur apparence, ça m'étonne pas que tu te vautres. Et si vous cherchez le maître, il est parti à la Shiro's Tower. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je l'ai croisé à la station de monorail. Il m'a dit qu'il devait aller à Shiro's Tower, et il m'a demandé de vous prévenir qu'il serait donc en retard. Mais c'était il y a un moment déjà, tu sais.
Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Ça m'inquiète qu'il tarde, en fait, autant à venir. Ça lui ressemble pas. Peterson, est-ce que tu pourrais nous emmener là-bas, s'il te plaît? Moi et Ultimate, on connaît pas trop la ville, en fait. Ah, y a pas un frère pour attraper l'autre, hein? Vous passez votre temps à donner des ordres aux gens sérieux, quoi. Enfin, faut... Mais ouais, si Shiroz retient notre maître contre son gré, ouais, c'est grave. Allez, rater un resto, passe encore. Mais s'il nous prive du match ultime avec ses folies, ça va pas aller. Et je dois avouer que je vous aime bien, donc vous deux. Allez, je vais vous donner un coup de main, c'est parti. Laissez-moi siffler la Team Yell. On va faire un petit coucou au président, un coucou bien musclé. Ouais, je crois que je commence à prendre goût à l'anarchie à force. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, moi qui voulais conclure tout ça. Que je fiche dehors. Oh, je suis claqué moi après mon combat contre Ultimate. Avec la team Yell, Nabil et Ultimate, on a décidé d'aller voir Shiroz. Allez, viens, on va faire ça en famille. C'est beau. Tout cet amour fraternel, beau mais inutile. Liv? Le président Shiroz s'entretient avec le maître. C'est une audience cruciale. En conséquence, je ne laisserai personne les interrompre, ok? L'accès à la Shiro's Tower est restreint. Seul le personnel autorisé et détenant une clé spécifique peut-on prendre le monorail pour y parvenir. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour pour importuner le président. Oh! Certes, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la Ligue, mais jamais il ne vous la donnera, d'accord? Ne vous avisez pas de lui courir après, vous ne mettrez jamais la main sur cette clé. C'est pas la peine de me suivre, vous ne me trouverez pas. On fait quoi? Ah, oh, ça craint. Mais pas de panique. La team Yell est là pour nous donner un coup de main. Ah, pour une fois, il va être utile. Super, on va la trouver cette clé. Je m'occupe de la zone devant le stade. On devrait peut-être aller à la place ensemble, non? Ok, allons-y. Parfait. On y go alors. Faut qu'on trouve cette clé. Faut qu'on trouve l'employé de la ligue à qui Liv va passer les clés. Je pense pas qu'il soit 10 000 à porter les lunettes de soleil. Ah ouais, tu m'étonnes. Aussi ringarde que les siennes. Oh non, c'est cache-cache et il y en a partout. Et je me souviens même plus de la tête du gars. Oh non, mais sérieux, mais ils se ressemblent tous. Qui se trouve, s'ils se ressemblent tous. À qui je peux demander, franchement? Ah! Ah, d'accord, le voilà, avec ses lunettes noires. Je me suis retourné! Ah, mais il était facile à trouver quand même. Ok. Du type acier, ah, ça m'arrange pas du coup.
On va le calmer avec croissance. Ouh là là. Eh bien, l'encouragement, ça fait plaisir. On n'est pas seul là, c'est cool. On va pouvoir attaquer en premier grâce au boost des encouragements. Avec le boost ici, en plus de ça sur le plan spécial, et puis le niveau évidemment qu'on a, c'est one shot hein, naturellement, sans surprise. On va pas changer, on a le boost derrière, même si c'est un insecte, un Pokémon insecte acier. Les croix super efficaces, hein. Attaque insecte sur le ratatin. Pas très efficace, mais la défense spéciale étant faible chez Fermite, qu'on connaît très bien. Surtout le fait qu'on se soit boosté, on passe au travers tout. Et voilà, on a battu. On va pouvoir nous passer les clés. Il est sérieux, on va pas le laisser s'enfuir si. Ah ouais. Il se barre. Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, est-ce qu'il s'est barré? Certainement pas dans le centre. On va d'abord soigner notre Pokémon. Donc il pensait qu'on allait finir la partie sans accro jusqu'à devenir maître et puis pour le coup terminer l'histoire, la trame principale. Ah mais le voilà! Il a pas été bien loin. Oh mais il va se battre à chaque fois en fait, c'est ça. Quoi, il a eu le temps de soigner ses Pokémon. Ah, il a eu le temps de changer ses Pokémon. Très bien. Bon, on va pas se booster, on va directement. Aucun effet, c'est juste. C'est vrai qu'il y a aucun effet. Oh, tête de fer. Ouais, bah oui. Super efficace, attention, cela peut faire peur en plus. Ce sera pas le cas. Ok, la défense spéciale boostée. Pour pouvoir mieux résister, il aurait dû continuer tête de fer pour chercher le flinch. Parce qu'ici, avec ma chouille, aucun stab, il n'y a rien, quoi. C'est même pas super efficace. Une bêtise hein, de la part du dresseur. Alors, ça serait qui? Minotaupe. De type acier et sol. Un très bon double type, d'ailleurs, défensivement, en tout cas, je pense. Éclat de griffe. La défense qui baisse, bien entendu. Une attaque normale, mais qui baisse la défense. Et ici, on ne dit rien. Il résiste bien. On baisse sa défense spéciale, ce qui nous permettra à coup sûr de pouvoir l'achever, même sans le baisse de défense spéciale. Cela n'aurait rien changé en soi. On sent un peu plus le coup hein, de l'éclat de griffe. Il aurait dû faire tête de fer ou quoi hein, pour le flinch, pour faire peur, quoi. Notre Dratatin qui est plus lent que lui, mais bon. C'était un piètre dresseur, que voulez-vous en face? Le Marco. Allez, donne-nous cette clé, bon sang. On va pas se battre contre un minable à chaque fois, sérieux. Eh ben, je m'en fiche. Je vais me mêler à la foule et vous aurez jamais la clé, moi. Mais comment je peux l'arrêter? C'est pas possible. Oh là là, je sens que ça va me saouler. Ah mais il est juste là en fait.
Tu as su que j'étais là. Bah, pas grave, cette fois-ci, je vais gagner et fuir avec succès. Jamais 203, comme on dit. Hein. Ouais, quel Pokémon? Encore un acier ou pas? Il n'y a que des Pokémon acier, ça me saoule. Ouais, c'est insecte. Et ça attaque plusieurs fois. Et rien que pour le seum, vous allez voir, il va attaquer tellement de fois, voilà. Que ça en sera... Oh, voilà. 5 fois... Oh! On va l'achever avec ça. On s'est suffisamment boosté avec les encouragements que pour one shot tout ça. Stylix, hein. La fermeté, je suppose. Pas ne faire grand chose, on va se booster d'abord. Certainement qu'il va faire malédiction, c'est son attaque favorite. Ah non, Draco souffle. Super efficace évidemment, en plus ça peut paralyser. Ok, pas la paralysie. Nous on est d'accord avec ça. Et on va pouvoir donc l'achever. Ah, il n'a pas fermé. J'aime beaucoup ce Pokémon, hein, Steelix. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de Dynamax Steelix. Ça doit être puissant, hein, quand même. Ou pas, je ne sais pas. Et voilà, enfin. On l'a achevé. Et là, tu vas pas pouvoir te barrer, mon vieux. Voilà, on t'a coincé. Ah, me voilà fait comme un ratata, maintenant. Enfin, c'est ce que tu crois, hein. J'ai bien trop peur de me faire gronder par Madame Liv pour abandonner si vite. Essaye donc de m'attraper sur le monorail, si tu le peux. Je crois qu'il va laisser ses clés en tombant, non? Enfin, en courant. Hé, la team Yel! Allez chercher Nabil! On a besoin de lui pour encercler le fugitif à la gare. Et ils sont pratiques, finalement, la team Yel. Pour une fois qu'ils nous aident. La team nous aide. Hein. Pour... Ah oui, non, aucune des versions. Une team, quelle que soit, était pratique. Ou plutôt était du côté des... Les héros, du héros que nous sommes. Il jouait toujours le rôle de méchant ici, c'est pas le cas. Enfin, c'est à moitié le cas. T'as fait un super boulot, Ultimate. Tellement super que ça m'inspire une chanson. Une chanson, c'est tout ce que je peux offrir. Yeah, une chanson afin de vous soutenir. Peut-être est inutile, peut-être est suffisant. Malgré tout, je chante, oh baby. Peterson, Peterson. Ah, c'est un concert en fait. Oh, mais c'est Peterson. Wow, il fait une performance de rue, mais pourquoi? Ah, pour le coup, ce serait plutôt une performance de gare. Allons voir de plus près. Wow, c'est Peterson, les gars. Oh, ouais, je vais filmer ça. Même les Zigzatans s'y mettent. Ah! Peterson en a la clé. On peut prendre le monorail pour aller à Shiro's Tower maintenant. Allons-y. Ultimate, Nabil, c'est maintenant ou jamais, allez-y. Yes. Eh ben, il nous a frayé un chemin de manière tellement, tellement stylée. Oh là 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 là, c'est la tower qu'on voit sur la map en fait. Hein. C'est donc ça la Shiro's Tower. Elle a combien d'étages cette tour en fait? J'arrive même pas à voir le sommet avec tous ces nuages. Je me suis dit la même chose, tiens. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Hein, des copains de la team Yel là sont en train de mettre une rouste au bougre de la ligue, donc on n'est pas prêt de les revoir. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Ultimate? On part devant, évidemment.
tu lis dans les pensées, hein. On récupère Tarak et on s'arrache, ok? Sans mon frangin, t'auras pas de maître à affronter et ce serait embêtant. Ultimate, t'as déblayé le terrain menant à la Shiro's Tower. Moi je dis, tu devrais continuer sur ta lancée, d'accord? Et sois prudent. Liv est une employée comme une autre, donc après tout, elle a planqué donc la clé du monorail pour faire plaisir à son patron. En parlant de Shiro's, je me demande bien ce qu'il fabrique avec le maître. Ah, vous savez quoi? Toute cette adrénaline, eh ben, ça me rappelle le smashing pardon, de quand j'étais gamin. Il y avait des concerts live complètement déjantés, on savait plus où donner de la tête. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? C'est à vous de monter sur scène maintenant. Allez-y, on vous soutient. Je vais rester ici pour garder un œil sur mon frère. Revenez s'il y a un souci, d'accord? Allons-y, Ultimate. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne dans le... Ah, bah, toujours, hein. Ah là là, toujours fouiné. Sinon, on serait passé à côté... De la pile. Objet à tenir. Une pile jetable qui augmente l'attaque du porteur lorsqu'il encaisse une attaque de type électrique. Ah. Ce serait intéressant de donner ça à... Peut-être à... je vois... Il y a mieux hein, à donner comme objet à Léviator, mais moi je trouve que ce serait intéressant de surprendre son adversaire avec, avec cette pile. Alors qu'il ne s'y attend pas du tout. Vous prenez la pile, vous mettez sur votre Léviator, on lui fait une attaque tonnerre ou autre, et bam, il se booste sur le plan physique. Ça peut surprendre, et ça peut dégoûter l'adversaire. Onde étrange. Le corps du lanceur produit des ondes anormales qui enveloppent l'ennemi et diminuent beaucoup son attaque spéciale. D'accord. Il y a une autre Pokéball qui traîne ici. Graine électrique. Augmente la défense lorsque. Ok. Le terrain est rempli. Le champ électrique. C'est bon. Là, on a fait le tour. On va pouvoir avancer. Ouah, c'est trop stylé ici. C'est immense! Ah ouais, la classe quoi. D'ailleurs, il paraît que la Shiro's Tower est bâtie sur une source d'énergie. Ça veut dire qu'en théorie, on devrait pouvoir dynamaxer nos Pokémon ici aussi. Mais bon, vaut mieux ne tenter ça qu'au sommet. Ailleurs, c'est trop étroit. C'est ce que je me disais aussi. Je me demande si cet ascenseur peut nous conduire tout en haut de la tour. Il paraît qu'il y a 100 étages ici. Pas moyen que je me le mette à papier. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Vous ne verrez même pas le premier étage. Alerte, des intrus, ont pénétré le bâtiment. Je répète, des intrus, ont pénétré le bâtiment. Tout le personnel est prié de chasser ces individus sur le champ. Ah, et même, j'ai même la permission de Madame Liv de vous botter les fesses. Ça sent la belle prime pour moi. Allez du balai, les mômes. Ah, c'est ce qu'on va voir. Encore toi? À moins que ce soit annoncé Gabriel, ok. C'est un autre cas. La musique est très stylée. Hein. C'est très... Sans... Il va baisser ma défense spéciale, mais pourquoi? Je comprends pas le rapport. On n'a plus de PP, on aurait dû soigner peut-être avant d'avancer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Hâte, ok. Aucune attaque offensive alors que... Je sais pas, il pourrait nous faire... Ah non, tête de fer. Ouais, il pourrait nous faire tête de fer pour tenter le flinch. Tenter la peur, hein, autrement dit. Ah, ce n'est pas super efficace, mais on, voilà, on arrive... mettre à terre grâce à notre level hein, notre attaque spéciale surdimensionnée surpuissante. Voilà, on l'a vaincu sans aucun problème. Et non, adieu à toi pour la prime. Ma prime, non, mes vacances de rêve à Olola. On cherche Shiro's,
dites-nous où le trouver, d'accord? C'est le PDG, donc forcément il est au premier étage, d'accord? Au dernier étage, pardon. Prenez l'ascenseur comme tout le monde, ok? Bon, ben, on avait deviné, on n'avait pas besoin de lui. Bon, on n'est plus très loin, donc dans ce cas. Allez, on arrive, frangin. Allez, Ultimate, on n'a pas une minute à perdre, viens. C'est parti. On va aller régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Oh, l'ascenseur est trop stylé. L'ascenseur le plus long du monde. Ah ouais, je redis la même chose. Quel style. Ouais, il est rapide surtout. Ah non, on n'est pas arrivé. Ah oui, pourquoi on s'arrête ici? Mais oui, on n'est pas encore au sommet. Ah d'accord. Vous êtes des challengers, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la Ligue des Galas. Mais c'est tous ces corrompus en fait. Cela étant dit, la possession de badges ne vous donne en aucun cas le droit d'être ici, d'accord? Alors, du balai, les mômes. Nos ascenseurs sont tellement high-tech qu'on peut même y faire des combats Pokémon. Merci, Microcosmos Constriction. Et c'est parti donc pour un combat double. Désolé, les aléas du direct. Angelina, deux Marcos. Envoie un charabie et tout ça. Angelina et Fabien. Ok, d'accord. Je cherchais le deuxième prénom. Ah, là, ça craint un peu. Hein. Type acier. C'est moyen, tout ça. On va quand même attaquer le charibari. Ouais, qui n'a pas une bonne défense. Beaucoup de PV, mais pas une bonne défense. Calinerie, ah ouais, d'accord. Ouais, il attaque avec ça. Je savais pas qu'il apprenait Calinerie. Ok. Tant pour moi. Les deux types acier. Hein. Extensateur, d'accord. Sur Mouflon. Ah non, tout c'est pour ma... Ok, c'est pour ma tronche, quoi. Parfait, parfait. Comme ils aiment bien m'attaquer, on va se soigner gentiment. Entre temps, le plaquage va pouvoir achever le charibari avec son attaque Kalinari. Et entre temps, nous allons nous soigner, bien entendu. Extensateur sur Momoflon cette fois. Se booster. Non, on va frapper. On va attaquer directement. C'est parti pour plaquage. Parti pour Dracochoc. Allez, on va tout donner. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce Pokémon à Archeo, donc, qui résiste très bien. Ouah, il prend cher le Momoflon. Non, Archeo, donc, sa spécialité, c'est pas de frapper fort. Hein. Allez, on va l'achever avec plaquage, le stab normal. Mais c'est le chaos, ça fait plaisir. Eh bien, ils ont perdu tous les deux. Oh, même après un combat Pokémon, ces ascenseurs tiennent le coup. Quel bijou de technologie.
Comment oses-tu? J'ai été élu employé du mois. Ah, Marco, construction. Ah, enfin bref. Allez, tu dégages. Ça, c'est fait. Bon, vu qu'on a perdu, vous pouvez rester ici. Mais promettez-nous de ne pas déranger Monsieur Chirouz. Il a beaucoup de travail, d'accord? Les ascenseurs de la tour ne sont en fait que des plateformes sans parois qui tournent. Qui montent, pardon, et qui descendent, d'accord? Et pour éviter les accidents, elles sont entourées de murs de lumière. Ils sont forts quand même, Jimara. Macro, Cosmos, Construction. Enfin bref, il fait encore la petite promotion avant de s'en aller. Les employés de la tour peuvent arrêter l'ascenseur quand ils veulent. On va mettre des semaines à atteindre le sommet à ce rythme-là. Nos équipes ont bien bavé, je vais les soigner. Ah, quelle bonne idée. Shiro's Towers fait 300 mètres de haut, tu sais. Et vous êtes actuellement à 150 mètres du sommet. Bonjour, je représente Macro, pardon, Cosmos Assurance. Donc, connaissez-vous nos assurances vie? Bon, oh là, je peux pas changer l'ordre de mes Pokémon. Parce que tous ces Pokémon assis là, c'est relou quoi. Mistybule, c'est un danger permanent. Ah, sur mon mouflon, tant mieux. Ça, je vais pouvoir attaquer. Je pensais bouffer une câlinerie. Voilà, je fais. Lance écrou. Ok, c'est acier. Hein. Ça attaque plusieurs fois, mais quel dégât! Trop puissant. Parfait. Mistybule. Ah, oh, qui résiste! Et qui va frapper avec étonnement. Aïe 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 aïe, coup critique. Et la trouille derrière. Ça fait plaisir. Ok, on va se soigner. Je sens que je vais prendre l'aggro. Comme d'hab. Évitons juste le coup critique, parce que les dégâts sont énormes. Le plaquage sur Mistybule. C'est juste parfait. C'est vrai que l'attaque de mon mouflon a été baissée. Par intimidation de Mistybule. Sur mon mouflon cette fois. Ouh, les dégâts! Ah! Bien joué! Oh là là, les dégâts derrière avec Condé et en plus le coup critique, c'est propre. Oh, bien joué ça. On voit qu'il a vraiment progressé le petit. Et dire que qu'un Macro, oh, j'ai du mal, je dis toujours Marco, je sais pas pourquoi, j'inverse le R et le C, c'est incroyable. Ok. Et dire qu'un Macro Cosmos Assurance, c'est moi qui ramène le plus de clients. Oh. 150 mètres, c'est l'équivalent de 100 match-uppers les uns sur les autres. C'est haut, hein, quand même. D'accord, merci. En fait, j'ai eu un peu le vertige. Oh, j'aurais dû prendre une assurance, prendre une assurance défaite. Ouais, c'est vrai qu'il parlait d'assurance macro. Macro machin chose industrie. J'ai pas l'impression qu'on ait monté 150 étages quand même. Hein. Ça m'a l'air un peu trop. Pour le peu de distance parcourue avec l'ascenseur. Vous êtes très proche du sommet, mais votre petite vadrouille s'est arrêtée ici, dommage.
Le vertige, tu ne connais pas. Hein. L'altitude, c'est mon dada. Je bosse pour Macrocosmos Air. Ok. On va gérer encore. Cette fois, Ulrich. Moumouflon. Ok, alors, l'immonde. La menace pour moi, c'est l'immonde. J'aime pas. Psychoboule. Oh là là, mais il a aucune attaque efficace contre ces Pokémon, quoi. Ok, on va finir l'immonde. Prochain coup. Ouh, il se propulse dans les airs. Ou pas. L'attaque la plus inutile du jeu, souplesse. Plaquage, très bien. Peut-être profiter de la paralysie. Les dégâts, c'est vraiment des dégâts, mais minables. Ah, il résiste quand même. Oh là là. On va se soigner quand même, j'espère, pour pouvoir encaisser la prochaine attaque. Qui peut rater, hein, mais il n'en est rien. Attention à la paralysie. Ok, souplesse encore une fois. Ouh, sur mon mouflon par contre. On le sent. Hein. Voilà, Stylix qui va y passer et nous on va pouvoir finir gentiment le petit Limonde. Acide Malik. Ils ont intérêt à me donner une prime à Macrocosmos Air. Ah, j'ai l'impression de flotter quand je prends l'ascenseur. Ça m'a déconcentré. Vous prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous, hein? Seuls les cadres sont autorisés dans les étages supérieurs de la tour. Et seul le président Chiros et son assistante ont le droit d'accéder au sommet. On y est presque, courage! Voilà, enfin nous sommes au sommet. Et là, les choses sérieuses vont pouvoir débuter. Ah, là voilà. Vous savez quoi? Mon équipe qui est bien amochée, je suppose. Ou alors on a récupéré nos pépés. Ouais, on a tout récupéré. Eh bien, on va se quitter là-dessus, et on va pouvoir conclure en deux fois, parce que ça fait déjà une heure de vidéo, donc voilà, on sait que nous sommes à la fin, c'est sûr, des aventures ici sur Bouclier, mais pour que ce soit plus digeste, on va se quitter dès à présent. Je vous dis à très bientôt, c'était US, merci de m'avoir suivi, c'était Ultimate, donc... Oh là là, il faut que je prenne les bonnes habitudes là. C'était Ultimate, portez-vous bien donc. Gardez la forme, gardez la pêche. Sayonara. Ciao ciao. Et à bientôt.